matin, moi et Mom, on s'en va au petit déjeuner. On s'en va au petit déjeuner. On dirait que je suis en France aujourd'hui. Puis elle veut pas. Bon, je bleue parce qu'elle veut pas que je la monte dans l'auto. Ouais. Fait que c'est ça les plans. Ben en fait, aujourd'hui, mais on voulait aussi aller voir la boulangerie Ange qui est ouvert. Je sais pas comment dire. Morning, beautiful baby. Je vais vous montrer what I got. Mini haul. Premièrement, je suis allée au Sephora parce qu'en fait, j'allais bientôt finir ma crème que j'utilise pour le visage, qui est la crème de chez Fresh. Puis en fait, j'ai vu qu'ils vendaient comme une version un petit peu plus grande. Puis pour le prix, honnêtement, ça valait la peine. Fait que j'ai décidé de prendre la version un petit peu plus grande. Fait que c'est juste la crème rose. C'est celle-là dans le fond. I love it. En fait, ça faisait quelques temps que j'avais plus de crème pour les yeux. Fait que j'ai pris celle-là de Fresh aussi dans la même gamme. Fait que c'est aussi Rose Hydration. Ah oui, puis aussi, ça fait un petit bout, j'avoue que je me suis gâtée un petit peu, mais ça fait un petit bout que je cherchais justement un blush. Dans le fond, c'est Dior. C'est ça, la couleur ressemble à ça. Peut-être pour vous, c'est comme c'est juste un autre rose banal, mais dans le fond, je trouve que toutes les roses, ils ont comme toujours une teinte plus orangée ou rouge. Puis celle-là, c'était vraiment comme un rose... plus dans les mauves un petit peu. Tu voulais quelque chose que tu fais juste en mettre un petit peu, puis tu as juste vraiment ce petit genre pink glow, I guess. Ensuite, je suis allée à la vie en rose parce que je venais en fait de m'acheter une brassière blanche un peu comme ça avec de la dentelle, puis j'avais vraiment beaucoup le look que ça donnait. Fait que je suis allée en acheter une en noir, puis finalement il y avait comme des rabais là-bas. Finalement, j'ai acheté deux autres petits trucs. Fait que ça, c'est la brassière noire, comme vous avez vu, c'est celle-là que je porte en blanc ici. Puis j'aime vraiment beaucoup ça, porter ça. Si, mettons, j'ai un bodysuit noir ou quelque chose, moi, je préfère porter une brassière. Fait que genre, ça va... comme c'est vraiment cute, c'est pas comme awkward, you know? Dans le fond, j'ai juste vu cette brassière-là, puis j'étais comme... she's too pretty. Puis en plus, c'est en rabais, fait que... mais ouais, c'est juste... it's so gorgeous, what the heck? Puis genre, la couleur... ah, I'm obsessed. Also, je voulais vous montrer, mais hier, je suis allée thrift au Renaissance. And I got some stuff, mais dans le fond, je pense que je vais faire un thrift haul sur ma chaîne parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Mais je vais peut-être aller à un autre, faire un autre trip, peut-être à une autre friperie juste pour voir. Puis anyways, on peut même pas acheter, on peut pas essayer en friperie les vêtements, fait que genre je sais même pas si tous les trucs me font. Fait que, yeah. Mais je vais les essayer aujourd'hui, mais je vais pas tout vous montrer parce que, évidemment, je vais faire un haul dédié à ça. Alors, guys, je viens de recevoir un cute collier de chez Fervido, en fait. Ça fait un petit peu que j'avais commandé un petit collier. Fait que dans le fond, c'est ce collier-là. Il est tellement beau. C'est genre un petit J. Il est-tu de mon côté? Oui. C'est genre un petit J, mais je pense que vous pouvez personnaliser à votre lettre ou peu importe. Puis il y a vraiment d'autres choix aussi. Mais bref, love it. Merci Juliette de Fervido, en fait. C'est elle qui les fabrique ici, donc au Québec. C'est le fun d'encourager nos produits d'ici. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente. Puis en plus, c'est quand même assez abordable. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ça sur Instagram. Je vais essayer de mettre ça dans la description si je n'oublie pas ou je vais le mettre à l'écran. Fait que là, c'est looking un petit peu rough. Hello! Alors aujourd'hui, dans le fond, on est jeudi. J'ai pas vlogué en fait les deux derniers jours parce que j'avais pas grand chose à vlogger, honnêtement. C'était un petit peu boring days, you know? Ça arrive. Fait que dans le fond, aujourd'hui, en fait, je m'en vais à Montréal. Je suis pas allée comme en ville downtown, ça fait vraiment un bout. Puis j'ai pas pris le métro ni le bus depuis genre le début de la pandémie. Fait que it's the first time, we're back. Puis j'allais même charger ma carte au puce parce que
je l'avais pas chargé depuis un siècle, littéralement. Bref, fait que c'est ça. Puis je m'en vais d'entendre avec mon amie Cassidy, que vous avez vu dans mon autre vlog d'été, genre. Fait que ouais, on va passer tout ça ensemble parce qu'en fait, elle déménage à Sherbrooke pour l'école et tout. Fait que ouais, je vais aller finir de me préparer parce qu'il faut que je prenne mon bus bientôt. On peut même pas parler quand on vlog parce que j'ai l'impression qu'ils nous entendent à cause des masques. As always, queens of iced lattes. On a pris les deux, genre le avocado toast. Fallait que je le dise en anglais. Avec saumon. Avec saumon fumé. Ouais, looks so good. Yes. Mon préf, vous savez que Reputation c'est mon préf, but... Better than nothing. It's still good. Bon, je sais pas si c'était obvious déjà, mais je pense que le coin de ma chambre c'était vraiment mon hall. Section. J'ai juste acheté en fait Shadow Indigo because favorite place on earth. J'ai une obsession avec les bookstores. Bon, la fois je cherchais un livre en fait que je vais lire cet été en fait, qui est une biographie en fait de Dolly Alderton. Puis dans le fond, elle est pas tant connue ici parce qu'en fait c'est comme une auteure, journaliste, chroniqueuse, podcasteuse, ça se dit en bas. Anyways, alors podcast, j'en ai entendu parler justement de mes amies Cassidy et Sandrine. Puis dans le fond, le livre s'appelle Everything I Know About Love. Et sinon, si vous saviez pas, je pense que j'ai juste dit peut-être sur Instagram, mais dans le fond, je me prévois d'avoir un petit comme vinyle section dans ma chambre. C'était un petit projet que ça me tentait de faire. Fait que je vais vous montrer ça. Peut-être je vais faire un updated room tour dans les prochains mois. I don't know. Vous me direz si ça vous tente. Puis j'ai acheté 1989 de Taylor parce que vous savez, I love Taylor. C'est pas mon album préf, mon préf c'est vraiment Reputation, mais j'ai quand même beaucoup aimé ça là. C'est lui qui m'a vraiment fait comme devenir une vraie fan. Puis dans le fond, je trouve que c'est un classique à avoir de Tay-Tay, so. Mais j'ai hâte d'avoir lu de Folklore parce que j'adore Folklore, puis je pense que c'est vraiment un... Ça va être un vibe d'avoir ce vinyle parce que c'est tellement moody comme album. Puis j'ai vu que j'avais un petit colis de chez Pilgrim, puis dans le fond, ils m'ont demandé si je voulais avoir quelques petits trucs. Fait que c'était vraiment gentil de repart. Puis ça fait partie de leur nouvelle collection, je pense. Oh, c'est bien cute! Je pense que c'est le bracelet. J'avais pris un bracelet, il me semble. Comme vous voyez, j'ai une obsession au bracelet en ce moment. Puis celui-là, justement, il vient de chez Pilgrim aussi. Fait que j'ai pris celui-là, qui est genre un petit... Il va vraiment pas bien, mais... C'est encore une fois un petit bracelet, mais comme avec des petits bras, là, un petit peu de... Je pense que c'est une double chaîne même, si je me trompe pas. Parce que c'est vraiment genre deux chaînes comme ça. Ça va être vraiment cute! Je suis vraiment contente!
ça serait juste genre de brand que j'aimerais travailler parce que en plus comme les designs c'est ça vient du Danemark puis je suis un petit peu obsessed with all the Scandinave style and everything fait que ça serait vraiment cool juste ça de même je mets ça dans l'univers. Testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Samedi, oui. Bon, en fait, je vais pas rester à la maison pour la journée, comme vous allez voir ce matin. Did some pancakes. They were pretty good. Pretty proud of myself. Puis dans le fond, aujourd'hui, c'est pas mal une journée cleaning, en fait, pour tout le monde. Fait que dans le fond, j'ai aidé un petit peu ma mère ce matin à comme ramasser la maison. Mais là, je vais essayer de faire ma chambre un peu, en fait. Ben, la majorité est quand même clean, mais en fait, c'est que je vais faire un petit peu le mélange de mon garde-robe pour faire de la place. Déjà, peut-être, au truc... plus d'automne, mettons. Puis aussi, ça fait un petit peu que je veux vendre des vêtements sur Instagram et tout ça. Fait que je pense que je suis motivée, je suis prête. Je devrais comme, pas tout poster en même temps, mais de temps en temps, poster quelques vêtements à vendre. So, let's do this. Ben, je m'en vais souper avec mes parents aussi, mais en fait, je voulais aller prendre une petite photo Instagram avant de y aller. Fait que c'est ça, by the way, c'est un petit sneak peek de mon thrift haul, mais j'ai trouvé ce petit foulard en friperie justement, et mes jeans, c'est celui-là de Aritzia. Mais ouais, fait que je vais peut-être vous emmener avec moi, prendre les photos, who knows. Mais sinon, ça va être la fin du vlog ici. Alors, see you dans une prochaine vidéo. If you're